Hey, bonjour et bienvenue sur ma nouvelle vidéo. Aujourd'hui, si je fais cette vidéo-là, c'est tout simplement pour insulter des grosses mères. Et ça va être simple, écoutez-moi bien ce que je vais vous dire. Vos mères, c'est des dinosaures. Oulala, dame, vos mères, c'est des putains de vélociraptors, théropodes, carnivores, bipèdes, vivant il y a 70 millions d'années en Mongolie, garnis de 80 dents très tranchantes, sa mère. Elles sont en voie de disparition. Non, alors vous l'avez vu dans le titre, j'ai envie de pousser un coup de gueule contre McFly et Carlito. Alors suite à cette annonce, je vous vois déjà me poser cette question évidente. McDo ou Quick? McDo bien sûr. Et si un dieu qui a créé les humains, il a dû laisser son stagiaire de 3ème au moment de la création de ceux qui préfèrent Quick. Mais bref, là n'est pas la question, vous déconnez putain. Si je suis en colère contre McFly et Carlito, c'est pour cause de harcèlement. Voilà, ça fait des mois qu'ils m'harcèlent pour faire une vidéo avec moi. Et quand je dis Marcel, c'est pas Marcel de Saï, hein. Oui, donc ils sollicitent mon aide principalement à cause de mon humour qu'ils adorent, l'humour de leur modèle comme ils m'appellent. Enfin vous voyez les mecs vraiment relous quoi. Ok, je peux comprendre, vous avez du mal à vous faire connaître, donc vous demandez au plus grand. Mais là ça tourne vraiment au harcèlement. Des dizaines d'appels par jour, des chèques envoyés à tout va. Et je vous parle même pas du tas de darons qui culmine à ma porte. J'ai raconté ça à un pote, il m'a dit Lucas balance ton porc. Bon bah voilà, je l'ai fait. Bon, j'ai pas trop compris l'intérêt de le faire, en plus du 4ème étage, elle a dû prendre cher la pauvre bête. Alors oui, je sais, Passe-Muraille a déjà aimé un de mes tweets, mais c'était pas une raison pour te faire tatouer mon visage sur ton dos, McFly. Ça ne fera pas changer d'avis. Et puis même, les gars, faut que vous en soyez conscients, on peut pas tous aller voir son idole pour réaliser son rêve avec. Est-ce que moi, je suis déjà allé voir Alain Juppé pour lui déposer un doux baiser sur son crâne soyeux? Non, alors un peu de dignité, messieurs, s'il vous plaît. Vous savez, comme disait Michael Jackson, Billie Jean is not my lover, she's not a saiyan, but I'm not the one, and the kid is not my son. Et je suis totalement d'accord. Donc bref, McDo et Carlifly. Enfin, McFly et Carlito, je connais pas trop votre pseudo chelou, hein. Chacun fait des erreurs, vous visiblement, vous échappez pas à la règle. Bref, faut que vous compreniez les gars, j'ai plein de demandes de petits youtubeurs comme vous pour faire des vidéos avec eux. Mais moi je suis sur des projets bien plus gros, d'envergure internationale et surtout plus profond artistiquement. Vous voyez, là je suis sur un projet pioche en bois avec Nathan Minecraft du 72, on joue pas dans la même catégorie. Et surtout, ce qui m'énerve chez vous, Carlifly et McLito, c'est votre sérieux dans vos vidéos. Qu'est-ce qu'on s'emmerde, vous êtes toujours sérieux, jamais un rire, jamais une blague, que des sujets de géopolitique béninoise, et puis je parle même pas de vos vidéos, le meilleur jeu au conseil constitutionnel. Alors s'il vous plaît messieurs Bac Pro et Parscolito, arrêtez de marceler pour que je fasse une vidéo avec vous, j'ai pas envie de m'énerver donc je reste calme, taboulé. Eh parle mieux toi, je sais pas où t'habites mais je vais te trouver, je vais venir te niquer. Bah t'es con, je suis ton voisin. Ah, bah je passerai plus tard hein, j'ai un créneau de libre le 18 mai à 15h. On pourra débattre. Bon, tout ça pour dire qu'Astérix et Obélix, vous commencez vraiment à m'énerver à vouloir faire une vidéo avec moi. Cet énervement, ça me donne envie de faire un truc de ouf. Ah ! Oh merde ! Je suis peut-être allé un peu trop loin. Bon bah, j'irai me repentir. Demain, j'irai à la messe. Ah bah non, je suis con, demain c'est dimanche. Ça doit être fermé un dimanche l'église. Encore des fonctionnaires tout ça, hein. En plus, on m'a dit qu'il y a plein de pères là-bas. Ils travaillent toujours par deux. Ça va, la vie est pas trop dure, hein. Bref, MacBook et Carglass, mettez-vous à ma place. J'arrête pas d'être harcelé par des jeunes youtubeurs trickshotters comme vous. Et puis ça va même plus loin. La dernière fois, il y a un gars qui s'est carrément introduit chez moi pour venir me parler. C'était mon père, donc soi-disant, ça explique tout. Moi en tout cas, ça m'a bien saoulé. En plus, il était venu pour me dire que je suis adopté et que je viens du Congo. V'là que je m'en bats les couilles. Et en plus, à cause de lui, j'ai raté la fin de mon film. C'était un film sur la seconde guerre mondiale, du coup je sais pas qui a gagné à la fin. Bref, tout ça pour dire que vraiment McFly et Carlito, je vous... Ouais, salut Roger. Non, non, t'inquiète, je tournais une vidéo là. C'est une vidéo coup de gueule contre deux youtubeurs qui me harcèlent pour que je fasse une vidéo avec eux. Enfin, je pense pas que tu les connaisses, hein. Ils s'appellent McFly et Carlito. Ah si, tu connais? Attends, sérieux? Ils sont suivis par Olivier Mine, le présentateur de Fort Boyard sur Twitter. Bon, ok, faut que je te laisse, je dois finir ma vidéo, salut. Bref, tout ça pour dire que vraiment, McFly et Carlito, je vous adore. Vous êtes vraiment des youtubeurs géniaux, mais avant tout des hommes géniaux. Et allez, pour vous faire plaisir, j'accepte de faire une vidéo avec vous. Et c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Ce serait vraiment super si vous pouviez partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux en identifiant McFly et Carlito pour qu'ils la voient. Ce serait énorme et ça me ferait vraiment hyper plaisir. Et sinon, comme d'hab, n'oubliez pas le fameux pouce bleu qui fait super plaisir. Et vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne YouTube en cliquant ici pour suivre mes prochaines vidéos. Allez, en tout cas, merci et à bientôt pour de nouvelles vidéos.